Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les deux meilleures alternatives à Alibaba et AliExpress. Si vous faites du dropshipping ou si même vous vendez avec du stock sur Shopify, sur eBay, sur Amazon ou tout autre site comme ça. Alors peut-être que les délais de livraison sont un peu longs sur AliExpress ou alors vous avez eu des soucis de qualité avec certains fournisseurs. Eh bien justement, ça peut être bien d'explorer des alternatives. Donc je vais vous les donner là tout de suite. Alors la première, c'est CJ Dropshipping, donc peut-être que vous connaissez déjà. En fait, je vais vous dire les avantages de cette plateforme, c'est que vous avez beaucoup de choix de livraison disponibles. Alors sur AliExpress, ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison en général se fait en une dizaine de jours avec AliExpress et Standard Shipping, mais derrière, vous n'avez pas forcément le contrôle sur la société de logistique qui livre les colis. Alors que sur CJ Dropshipping, ce qui est bien, c'est que vous avez en fait le contrôle sur les entrepôts. Donc souvent, ils ont des entrepôts dans plusieurs pays. Et puis, ils proposent aussi plusieurs envois. Donc, par exemple, si vous prenez un produit, donc on va regarder celui-ci, blanc V coût. Donc, on va prendre un vêtement. Admettons qu'on livre en France. Donc, vous allez voir ici que là, bon, ici, il n'y a qu'un seul entrepôt disponible, mais vous pouvez ici, par exemple, choisir un pays. Et en fonction du pays, il va vous proposer plusieurs système de livraison. Donc ici vous pouvez voir ce qui marche le mieux, donc il y a des prix différents, c'est à vous de comparer. Donc vous pouvez regarder ici, vous avez la poste hollandaise par exemple, vous avez les postes en fait nationales, vous avez le système propre à CJ Dropshipping. Donc en réalité ils nouent des partenariats avec des entreprises de logistique, mais vous voyez que vous avez plusieurs types de colis. Donc ici c'est pour les colis sensibles, ici ordinaire, ici c'est pour les livraisons en Europe. Donc ce que je vous invite à faire, eh bien c'est que si vous voulez une livraison rapide et fiable, et bien vous regardez ici les délais de livraison. Là, vous voyez, attendez, je vais décaler mon image ici. Donc là, vous voyez par exemple HK FedEx, bon, ça c'est cher, 3-10 jours, mais vous avez parfois des délais beaucoup moins longs qu'ici. Donc on va prendre un autre produit, donc par exemple un produit gagnant qu'on retrouve sur eBay, donc par exemple tuyau d'arrosage extensible. Donc ça, c'est un produit gagnant. Populaire en dropshipping. Alors ici, est-ce qu'on le trouve? On va descendre. Non, on le trouve pas. Une chose, oui, c'est que CJ Dropshipping, en fait, c'est un très bon catalogue. Par contre, par rapport à AliExpress, il y a beaucoup moins de, enfin, il y a moins de références. Mais si vous trouvez un produit qui est bien sur AliExpress, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez comparer sur un dropshipping. CJ Dropshipping. Alors ici, par exemple, il y a un produit que je voulais chercher, mais qui n'est pas là. On va essayer de taper en anglais. Alors, Extensible Garden Hose. Ici. Donc voilà, ici. Ah non, non, on ne trouve pas ce produit. Ah si, si, là c'est bon. Mais est-ce que c'est celui que je voulais vendre? Non. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Ah si, il y a celui-ci. Alors, il faut fouiller un petit peu. Ici. Alors, ça c'est un très bon produit. En fait, c'est un tuyau qui s'étend. Et c'est gagnant parce qu'en fait, comparé à un tuyau d'arrosage classique, celui-ci, en fait, il se rétracte et il s'étend. Vous voyez, c'est pas quelque chose de classique. Parce qu'en dropshipping, ou que ce soit sur eBay, Amazon ou ailleurs, ou sur Shopify, un bon produit, en fait, c'est un produit de grand public. Hein, un produit qui se vend chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens en ont besoin. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose de particulier, vous voyez. C'est pas un tuyau classique. Ici, l'effet particulier, c'est que c'est un tuyau qui s'étend avec la pression et qui se rétracte. Et alors, ici. Donc on peut regarder les différentes options d'envoi. Donc ici vous avez les envois depuis les entrepôts de CJ Dropshipping. Et ici vous avez depuis les usines. Donc vous pouvez essayer les deux directement depuis les usines qui sont présentes sur le site. Et si vous livrez en France, ici, eh bien là, vous pouvez choisir aussi d'autres transporteurs. Donc vous avez des transporteurs qui sont plus ou moins rapides. Alors ici, 6, 12 jours, 7, 14 jours. Donc vous avez des délais enfin des délais qui varient. Puis vous avez aussi des frais de livraison qui changent en fonction de la longueur du tuyau. Parce qu'ici, vous avez plusieurs tailles. Par exemple, on va prendre la plus petite taille. Ici, eh bien, vous pouvez choisir et tester plusieurs transporteurs. Donc vous voyez ici que là, c'est à peu près le même délai. Donc ici, vous pouvez regarder Euro, Ordinary. Ici, et puis faire un test, c'est ce que je vous incite à faire. Alors, en fait, en dropshipping,
Rien ne peut battre le catalogue d'AliExpress. AliExpress est vraiment énorme et moi je pense que AliExpress marche très bien. Mais par contre, c'est bien aussi, c'est judicieux d'avoir des alternatives évidemment. Vous pouvez essayer sur plusieurs plateformes. Vous pouvez par exemple livrer depuis AliExpress et puis utiliser des alternatives aussi comme CJ Dropshipping. S'il y a un produit qui est bien sur AliExpress que vous voulez retrouver sur CJ Dropshipping, ce que vous pouvez faire, c'est en fait enregistrer l'image depuis AliExpress et faire une recherche par image ici, vous voyez. Donc vous pouvez télécharger l'image du produit d'AliExpress et vous le retrouverez sur CJ Dropshipping. Alors le deuxième site que je voulais vous montrer, que j'utilise aussi, alors ça c'est DHGET. Donc DHGET, il y a aussi un très bon choix de produits. Et ce qui est bien sur ce site, c'est que les fournisseurs en général sont très très fiables. Alors on va regarder par exemple un autre produit gagnant. Alors si on prend une caméra de surveillance sans fil, admettons, donc ça c'est un produit aussi populaire. Vous cliquez sur ce lien ici. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est fiable, mais souvent il y a des minimums de commandes, pas toujours. Donc pour le dropshipping, en fait, il faut trouver des produits avec une pièce en minimum que vous pouvez commander. Donc là en l'occurrence c'est 20 pièces. Donc si vous voulez faire un petit stock, c'est très bien. Sinon, il faut parcourir la plateforme et puis regarder ceux qui proposent, donc les boutiques qui proposent une pièce. Donc vous voyez ici une pièce. Alors ici vous avez aussi plusieurs livraisons. Donc e-packet, c'est bien aussi. Donc vous pouvez aussi tester cette plateforme-là. Donc c'est pareil, c'est un peu comme sur AliExpress. Ici vous avez des évaluations. Donc essayez de trouver des bonnes boutiques. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de trouver des boutiques avec plus de 95%, ou alors avec des commentaires supérieurs à 4,5, ou les deux. Le mieux, c'est d'avoir les deux ici. Donc, vous pouvez regarder ici les commentaires. Alors, DHGET, en fait, c'est moi j'utilise pour faire un peu de stock, parce que vous pouvez acheter des produits en gros comme ça, avec des tarifs réduits. Et puis, c'est aussi une situation de dépannage, parce que AliExpress, ça reste quand même une très bonne plateforme, et Alibaba aussi. Je vais vous expliquer comment fonctionne avec AliExpress et Alibaba, et comment se servir de DHGET et de CJ Dropshipping pour avoir des bonnes alternatives. En fait, AliExpress, ça sert surtout à tester des produits parce que vous avez un large choix d'articles, vous avez des dizaines de milliers d'objets. Donc, que ce soit sur eBay, sur Shopify, vous pouvez tester sur AliExpress. Ensuite, si vous commencez à faire beaucoup de commandes avec AliExpress, c'est bien d'avoir des alternatives aussi comme DHGET, comme CJ Dropshipping, ou par exemple, vous pouvez faire des recherches et trouver pour moins cher sur ces deux plateformes avec des transporteurs plus rapides. Par contre, à terme, je pense que AliExpress reste toujours une excellente plateforme parce que le catalogue des deux autres sites, même si ce sont d'excellentes alternatives, ne sera pas aussi développé que sur AliExpress. Et Alibaba, en fait, c'est pas vraiment une plateforme qui va vous fournir directement, avec laquelle vous allez pouvoir faire du dropshipping directement, mais sur Alibaba, eh bien, vous pourrez trouver par exemple des grossistes ou des agents, c'est-à-dire des entreprises sur place qui peuvent vous fournir en gros. Et l'avantage d'Alibaba, c'est que vous pouvez en fait court-circuiter tout le système. Donc au lieu d'aller sur des intermédiaires comme DHGET ou comme CJ Dropshipping, qui sont pourtant d'excellents sites, ou même AliExpress, qu'AliExpress on va dire que c'est une forme d'intermédiaire, et bien sur Alibaba, le gros avantage c'est que vous pouvez directement aller chez des grossistes et puis comme ça commander vous-même en usine. Donc c'est un peu plus technique, les prix sont moins chers, donc ça je vous recommande vraiment que quand on est avancé en e-commerce et en dropshipping. Mais en tout cas, ça vaut le coup de passer par Alibaba. Mais gardez ça en tête, notez bien DHGET et CJ Dropshipping, ça reste d'excellentes alternatives. Et d'ailleurs, je pense que vous faites dropshipping soit sur Shopify, soit sur eBay, soit sur Amazon, ou peut-être sur d'autres plateformes. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester eBay. Parce que eBay, c'est une plateforme qui est selon moi sous-exploitée. Vous allez sur YouTube, il y a assez peu de vidéos sur le sujet, alors que pourtant, il y a 35 millions de visiteurs par mois. Ça reste un très bon endroit pour vivre des ventes en ligne et c'est vraiment sans risque aussi parce que sur eBay, en fait, vous ne payez des frais de vente que si vous réussissez à vendre. Donc, je vous conseille vraiment de vendre dessus. Et si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, si vous voulez au moins tester, eh bien, je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte de 3 vidéos. Et ensemble, on apprend beaucoup de choses sur eBay, ou comment créer une boutique, comment trouver des produits gagnants sur eBay, spécifiquement à eBay. Et aussi comment gérer le service client. Donc je pense que c'est un bon plus pour vous. Et vous allez voir que eBay, certes, c'est du travail, bien sûr. Mais par rapport à Shopify ou Amazon,
je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des ventes. Parce que sur eBay, vous n'aurez pas, par exemple, de frais avancés comme les frais publicitaires sur Shopify. Et par rapport à Amazon, il y a presque autant de trafic. Donc si vous prenez, par exemple, eBay en France plus eBay en Allemagne, c'est plus que Amazon en France. Donc vous avez toujours beaucoup de visiteurs et vous pouvez faire beaucoup de ventes. Mais sur eBay, c'est quand même beaucoup plus relax. Vous paierez moins de frais déjà parce que sur eBay, les commissions, c'est environ 9%. Commission à la vente sur Amazon, c'est 15%. Et puis surtout, les règles sur eBay sont beaucoup moins strictes. Vous avez beaucoup moins de chances eh bien, d'avoir des défauts ou de pas respecter les normes sur eBay. Donc c'est vraiment très très souple par rapport à Amazon qui est beaucoup beaucoup plus strict. Donc notez bien, donc la stratégie AliExpress Alibaba reste vraiment excellente pour faire du dropshipping ou du stock. Donc AliExpress pour tester et puis ensuite Alibaba si vous achetez en gros et vous faites du dropshipping en masse. Et puis à côté de ça, eh bien, c'est bien d'utiliser des alternatives comme CJ Dropshipping ou DHGate. Donc soit pour dépanner, si jamais sur AliExpress vous avez un fournisseur qui ne peut pas envoyer, eh bien, vous pouvez sur l'un des deux sites pour commander. Et puis aussi c'est pour avoir plus de flexibilité, c'est pour avoir par exemple sur certains articles, donc pas tous les articles, parce qu'il y a beaucoup moins d'articles sur CJ Dropshipping que sur AliExpress, mais vous pourrez quand même eh bien, trouver des articles pour lesquels la livraison est plus rapide, parce que comme je vous l'ai montré, il y a plus de choix dans la livraison, donc ça peut en fait vous aider à livrer plus vite. Si vous avez par exemple un produit qui fonctionne bien, eh bien vous pouvez passer de AliExpress à CJ Dropshipping, ou même DHGate aussi, il y a de très bons fournisseurs pour trouver des fournisseurs et des expéditeurs, enfin des entreprises de livraison qui fonctionnent mieux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien aidé, elle vous aidera bien. Donc si possible, mettez en application dès ce soir ce que je viens de vous enseigner. Donc allez faire des recherches de fournisseurs sur ces deux sites. Et puis je vous souhaite une excellente journée.